nous avons notre première conférencière du nom de Alexandra Titouras. Je répète, elle est chercheure postdoc à l'Université McGill dans l'équipe du professeur Frigon. C'est une microbiologiste qui travaille en génie des eaux, surtout les eaux usées. Elle travaille actuellement avec le professeur Frigon sur la détection du COVID dans les eaux usées, mais aujourd'hui, elle va nous parler de boue d'épuration. Alexandra, je t'invite à partager ton écran et à nous faire ta conférence. Merci, Simon. Est-ce que tu vois... C'est excellent. On voit ton next slide. Là, fait que c'est pas grave, là, mais si tu es capable de... C'est parce que tu as deux écrans, probablement. Oui, tu peux... Essaye de partager le bon écran. OK, je vais essayer encore. On va y arriver. C'est oui. Bon. J'en aurais peut-être profité pour présenter des invités de marque. Je ne sais pas si on a des maires ou des mairesses parmi nous aujourd'hui. Je regarde les noms, j'en connais pas beaucoup. Manifestez-vous sur le chat. OK, c'est bon. Fait que, vas-y, Alexandra, tu peux commencer. Okay. Donc, je présente la recherche de professeur Pugon. Donc, je présente... la recherche de notre lab, le pouvoir des bactéries de nouveaux produits à partir d'eau usée et autres déchets. Donc, les défis d'émergence dans l'eau usée, c'est la consommation d'énergie élevée, les contaminants émergents, par exemple les micropolluants, les gènes de résistance aux antimicrobiennes, puis aussi les agents pathogènes. Donc aussi avec l'eau usée, on voudrait de faire la récupération des ressources, par exemple d'énergie, puis des nutriments et aussi décarbonés. Donc, au laboratoire de professeur Pigon, nous menons des recherches avec ces objectifs à l'esprit. Et on fait les différents processus biologiques à l'échelle du laboratoire et expériences à l'échelle pilote. Donc, les trois areas de recherche qu'on fait, c'est en premier la digestion anaérobie à basse température des déchets solides. Aussi, on fait le traitement des eaux usées diluées avec des phototrophes en utilisant l'infrarouge et finalement fait le contrôle des pathogènes et dispersion des gènes de résistance aux antimicrobiennes. En premier, on parle de la digestion anaérobie à basse température. Donc, les défis associés avec la digestion anaérobie sont les exigences de température élevée et le faible taux de croissance des bactéries. Donc, l'inversion que nous étudions est le traitement des solides par ozonation et aussi d'ajouter zero valent iron. Et on a déjà des résultats de ça. Donc, qu'on a vu qu'avec l'ajout d'ozone, le VSS a détruit et la production de biogaz a augmenté même à basse température. Donc, on voit ici avec la température de 35 degrés, mais pas avec ozonation, c'est beaucoup plus bas pour le VSS détruit et aussi pour la production de biogaz. Mais quand on a voir ozonation, même à 20 degrés, le VSS détruit et la production de biogaz a augmenté.
Et aussi avec l'ajout de zéro fer-valent, la production de méthane a également augmenté à 20 degrés. Donc, on voit ici, quand on n'ajoute pas le ZVI, on voit qu'avec 35 degrés, c'est la génération de méthane est plus haut. Mais quand on commence à ajouter le ZVI, on voit que particulièrement avec 20 degrés, on voit que la production de méthane a augmenté beaucoup. Et encore avec plus de ZVI, avec une concentration à 5, on voit encore une augmentation de la production de méthane. Donc, maintenant, plus récemment, dans notre laboratoire, nous commençons à étudier les bactéries photoétrotrophes. Donc, l'utilisation des photoétrotrophes, on peut récupérer le phosphate et produire de la biomasse. Ensuite, utilisé pour la transformation des déchets organiques fermentés. Donc, on peut voir ici, dans les organismes, il y avait des polyhydroxyalkanoïdes. Et avec ça, on peut actuellement fondre les bioplastiques. Aussi, ces organismes font des carotinoïdes et les protéines. Donc, on peut quand même utiliser pour les aliments pour les animaux. Donc, finalement, un avantage d'utiliser les photoétrotrophes est leur taux de croissance est beaucoup plus élevé par rapport aux autres bactéries anaérobes. Donc, finalement, dans toutes nos recherches, nous utilisons le microbiome pour optimiser les processus et nous l'utilisons maintenant aussi pour surveiller le SARS-CoV-2 dans l'eau usée. Et on espère au futur, on voudrait utiliser les mêmes outils pour surveiller la résistance aux antimicrobiens. Donc, merci. Je peux prendre des questions ou quand même tu peux faire un courriel à Dominique ou moi-même.